toujours au cœur de la région Nord-Pas-de-Calais, dans une petite ville qu'on appelle Carvin, hein, une ville très sympathique dont je suis originaire, et on vous emmène découvrir la braderie qui se déroule tous les ans à cette période, environ au mois de septembre. Et bien sûr, vous allez voir, c'est très sympathique, très convivial, il y a du monde, il y a du soleil aujourd'hui avec nous. Donc franchement, ben, la totale pour vous. Surtout, n'oubliez pas, bien sûr, de venir voter www.ltbfr.com. Merci de nous suivre. Ouais, tout va bien, ouais, ouais. Alors, qui vous êtes un petit peu là? Vous représentez quelle association? Nous sommes les Amis de Fromulus, une association de la ville de Stavord, dans le Nord. Voilà. D'accord. Et disons qu'on représente les géants, une association de géants, mais les géants traditionnels des Flandres, les géants portés. Ce sont les géants portés par des hommes. Vous avez le grand géant, Jean le Bûcheron. C'est le géant le plus grand voyageur d'Europe. Grand voyageur d'Europe. Il a fait tous les pays d'Europe. On va compliquer. Même était en Inde. Même déjà était en Inde. Oui. En Inde. Ah voilà. Et on vient du Québec maintenant. Il y a 15 jours, on vient du Québec. C'est génial. Il pèse 90 kilos, 5 mètres. 90 kilos, 5 mètres. Et deux porteurs. Il faut deux porteurs. C'est son fils, parce que dans la légende, il avait un fils qui s'appelle Jacobus. Jacobus. Alors, il fait 15 kilos, 2,50 m et il est porté par des enfants. D'accord. Donc Jacobus, lui, il est porté par des tout-petits. Non, ils ont 10 ans. Ils ont 10 ans. Des petits qui accompagnent, mais à partir de l'âge de 10 ans. D'accord. De 10 à 15 ans, quoi. Et c'est pour former, en somme, une école de portage qu'on a créée sur Petit Géant. Parce que, bon, plus tard, on enlève des anciens qui portent le grand géant. Donc, il faut les jeunes qui sont motivés. Parce que nous, on ne veut pas les géants sur des roulettes. Pour nous, c'est des géants qui ne vivent pas. Ils ne savent pas danser autour d'une fanfare. La tradition des géants portés. C'est génial. Merci en tout cas de faire vivre cette magnifique tradition, monsieur. Ah, c'est oui. Monsieur comment? Moi, c'est déjà un surnom. Ouais. C'est monsieur Tutu. Monsieur Tutu. T-U-T-U-T. Eh bien, monsieur Tutu, on vous remercie de votre grande gentillesse. Il fait beau, tout le monde. Eh bien, c'est bien, c'est magnifique. Regardez, ils m'ont acheté, merci pour. Vous êtes heureux, la braderie se passe bien? Ça se passe super bien. Ah bah c'est magnifique. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde que l'année passée, mais là, ça part bien, ça va. Génial. Juste le moment où les gens ils commencent à manger, donc là, nous, on rentre. Voilà, on fait de la pub, hein. Il n'y a aucun souci. Merci de votre gentillesse en tout cas. Non, mais c'est tout bon pour moi de toute façon. Rendez-vous sur ltbfr.com hein, pour faire un petit tour. Il n'y a pas de souci. C'est Pizza First, société spécialisée dans la restauration, la livraison de pizza à domicile. Et on met le numéro hein, parce qu'on est balèze. Hein. Voilà, et on est ouvert tous les jours de la semaine sauf le lundi. Ok, génial, c'est noté. C'est parti. Merci de votre gentillesse. Oui, je vous en prie. A bientôt, monsieur. Allez-y. Voilà. Génial. Excellent. You're so very nice. Oh, thanks so much. Le maire de Carvin. Alors bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous allez bien? Parfaitement, quand il y a un soleil comme ça, tout va très bien. Exactement. Hein. Alors est-ce que vous êtes vraiment satisfait de cette édition 2008? Une édition qui progresse encore. D'abord, le soleil est au rendez-vous, le ciel bleu, il y avait des géants et je dirais qu'on progresse vers une braderie de géants. Exactement, merci en tout cas monsieur Kemel, je vous souhaite de passer une très agréable fin de journée. Merci. Alors ça marche bien le business cette année? Très bien. On est content du beau soleil? Oui. Bon, ce qui compte c'est qu'on l'a maintenant, il va rester, me l'a dit. Hein. Non, c'est bien. Je le connais personnellement. Hein. Allez, bon courage. Madonna. D'accord, bah moi c'est Fanto, ltvfr.com. Hein. Ah d'accord. Enchanté. Hein. Enchanté. Alors on a retrouvé une bande de sans-papiers là, ils ont peur de vous cacher de la police, mais pourtant le commissariat n'est pas loin. Hein. Ah mais on est connu par le commissariat. Ah d'accord, bon. Et vous avez pas me piquer mon caméscope les gars, déconnez pas. Hein. Si. Ah aïe aïe, aïe putain, déconne pas. Non, non, je me casse. Ici. Ça va Bob? Ouais. T'es revenu? Ouais. Alors comme vous le voyez, une édition de cette braderie 2008 qui est quand même fournie
en monde et ça nous fait franchement plaisir sous le soleil. Voilà, bon ben j'espère que vous avez un petit aperçu quand même de cette super braderie. Vous avez vu, j'ai quand même trouvé quelque chose à chiner, une super horloge pontoise. Bon, n'oubliez pas bien sûr d'aller voter. Ah ciao, bye bye, merci de nous suivre.